J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en collaboration avec Lovelette. D'ailleurs, comme cette vidéo est en collaboration, vous avez un code promo que je vous mets ici et en barre d'infos. Si vous vous souvenez bien, j'ai déjà tourné une vidéo Lovelette que je vous ai présentée il y a presque 2 mois, je dirais. Donc, Lovelette, c'est la partie sous-vêtements Shein. Donc, c'est une gamme, entre autres, de Shein. Mais alors, vraiment spécialisée dans les sous-vêtements confortables, dans les sous-vêtements pour les grandes tailles, mais pas que. Mais moi, je vais vous présenter personnellement des vêtements conçus pour la grande taille qui ne vous blessent pas, qui vous soutiennent vraiment bien, qui sont à des prix raisonnables, dans des matières parfaites, dans des matières souples, des matières dans lesquelles vous êtes confortable. Cette gamme est dédiée aux sous-vêtements et aux vêtements de nuit. Je suis vraiment plus que ravie que Lovelette m'ait recontactée parce que depuis que j'ai reçu la première sélection, je ne porte plus que ça. Que ce soit les brassières, que ce soit les soutiens-gorge enveloppants, que ce soit les soutiens-gorge un petit peu plus affriolants. Vous avez vraiment tout type de sous-vêtements. Vous allez voir, j'ai pris des soutiens-gorge, des brassières, j'ai pris des slips. Et j'ai pris également un genre de sous-vêtement que vous pouvez également sortir comme un petit body si vous en avez envie. J'ai reçu 5 articles à vous présenter. Allez, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'ai pris, comme la dernière fois, un paquet de culottes. Mais j'ai vu que celle-ci avait une particularité. J'étais déjà satisfaite du lot que j'avais reçu dans la dernière collaboration. Mais quand j'ai vu celui-ci, j'ai voulu absolument essayer. Déjà, j'ai remarqué que la matière était exactement la même. Donc, comme je suis bien dans les autres, je me suis dit, allez, vas-y, prends. Tu vas tester aussi ce modèle-là. Donc, c'est aussi un lot de 3. Donc, comme vous pouvez le voir, estampillé Lovelette. Alors, vous avez 3 couleurs différentes. Je vais vous montrer d'abord avec une. Donc, ce sont des culottes, cette fois-ci, qui sont hyper hautes. La dernière fois, j'avais pris des culottes hautes, mais elles devaient arriver par ici, vous voyez. Donc là, on doit avoir 2 cm de plus. Ça, c'est quelque chose que je trouve génial parce que ça monte vraiment très haut. Ça vient pratiquement sous la poitrine. Du coup, on est très très bien englobé, le ventre est bien maintenu. La particularité de ces culottes, c'est qu'elles sont invisibles sous les vêtements. C'est pratiquement sans couture, on ne les sent pas. Il n'y a pas de surépaisseur, rien. C'est très doux, très confortable, vraiment agréable. On a le petit logo Lovelette là ici derrière, le petit L. À l'intérieur, on a le petit pad, vous voyez, comme d'habitude. Celle-ci, je vous les conseille vraiment. Il y a plusieurs lots de plusieurs couleurs. Là, j'ai pris la taille 4XL. Donc, on a ce marron beige, un beige un petit peu plus nude, plus clair, et un crème. Voilà, on en a 3 à chaque fois. J'ai voulu prendre ces teintes-là parce que je me suis dit que ça passerait très bien sous des jupes qui sont claires, sous des pantalons clairs, tout ça. Au moins, on voit rien. Déjà qu'il n'y a pas de couture apparente, vous voyez, il n'y a pas de surépaisseur. Mais en plus, on ne verra pas la couleur. Donc ça, c'est génial. Les culottes seront les seules choses que je n'essaierai pas. Alors, on continue avec un petit paquet Lovelette comme ça. Celui-ci est jaune. Et j'ai des paquets qui sont un petit peu plus rosés. Je ne sais pas quelle est la différence. On verra peut-être avec la composition ou le modèle des articles, je ne sais pas. Alors, ici, j'ai pris, alors toujours emballé dans un pochon protecteur. Il s'agit d'un soutien-gorge comme ça, violet. Il est très, très, très joli. Je n'avais pas cette couleur-là. Il est vraiment magnifique. Donc ça, j'aime beaucoup parce que je possède déjà un modèle à peu près équivalent, sauf qu'ici, il est ouvert. Il y a une petite fente là. Voilà, mais moi j'ai pris celui-ci pour tester. Je me suis dit que comme ça avait l'air assez similaire, bah, je serais bien à l'intérieur. Donc c'est, alors c'est légèrement coquet, mais vous pouvez l'enlever, mais c'est de la coque souple, vous voyez. C'est quelque chose de souple, c'est pas dur comme certains soutiens-gorge. Donc vous pouvez l'enlever si vous avez envie, sinon vous le laissez tel quel. Moi je le laisse personnellement, ça ajoute du soutien je trouve. À l'arrière, on a alors 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Vous avez 5 grammes pour l'accrocher. Vous avez également de larges bretelles que vous pouvez remonter. Je trouve que les bretelles larges, ils sont pour beaucoup dans le maintien. Mais vraiment de bien soutenir la poitrine.
Dans l'ensemble, il est comme ceci. Il est vraiment trop joli. Sur les côtés, c'est hyper large. Et là, pareil, c'est sans couture. Sans couture, c'est une matière, vous voyez, comme ceci. C'est une matière un petit peu élastane, mais sans trop, pour ne pas altérer le maintien. Vraiment, vraiment, je tiens à le dire. Moi, je ne porte plus que ça. Vraiment, depuis 2 mois, c'est que ces soutiens-gorge-là que j'utilise. Je me sens vraiment le mieux là-dedans. Il existe plusieurs couleurs. Vous avez différentes tailles. Là, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai pris comme taille? J'ai pris... Alors, sur les sous-vêtements Lovelette, c'est inscrit à l'intérieur, vous voyez. Donc, j'ai pris du 4XL et du 74,1 polyamide, 25,9 élastane. Sous la poitrine, vous avez une longue bande. Alors ça remplace les armatures. Les armatures qui blessent souvent, ben, grâce à ça, vous n'en avez pas besoin parce que je ne sais pas comment c'est monté. Mais ça vous soutient vraiment, vraiment pas besoin d'armature. Vous avez une petite encoche pour enlever les coques si vous le désirez. Alors, le soutien-gorge violet, mais regardez-moi cette beauté. Comme je vous le disais, il a un décolleté arrondi, je trouve que c'est très mignon. Il a vraiment un bon soutien ici. Pareil, on a une petite bande en dessous de la poitrine qui vient maintenir. Ça maintient très bien, ça descend très bas. Vous avez vraiment un côté très large ici au niveau du dos. On se sent maintenu avec ces bretelles larges. Vous pouvez d'ailleurs les régler, hein. Moi, je suis pas au maximum là. Vous pouvez les régler. Vraiment, je le trouve sublime. La couleur est trop belle et la matière super douce. Et au niveau de l'arrière, ça donne ça. Voilà, voilà. Et personnellement, je lave à 30. Je ne sais pas trop ce qu'il y a écrit. Mais moi, je lave à 30 au cas où. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? On lave à combien là? Oui, bon, on lave à 30. Ensuite, j'attrape notre soutien-gorge, me semble-t-il. Oui, alors c'est exactement le même dans une autre couleur, c'est entre le bleu et le vert. Vraiment, il est très joli de cette couleur-là aussi. Toujours pareil, les bretelles réglables avec une grosse encoche ici pour vraiment vous aider à bien remonter la bretelle. Ça aussi, c'est super parce que des fois, quand elles sont fines, elles se tordent. Là, aucun souci, c'est épais, ça reste en place, ça maintient bien la poitrine. Moi, j'adore. Ça, je ne m'en passe plus. Alors, avant de connaître Lovelette et ce genre de soutien-gorge, j'avais toujours des armatures. Parce que je trouvais que ça, j'avais pas un bon maintien. Eh ben ça, c'est terminé. Terminado. Fini. Plus d'armature. Alors, pour le bleu, ben, c'est tout à fait le même modèle que le violet. Il est toujours aussi joli. Toujours un aussi beau maintien. Vous voyez ici, c'est un petit peu respirant. Je sais pas comment ils arrivent à faire ce genre de texture. Mais c'est assez respirant au niveau de la poitrine. Vraiment, on ne transpire pas avec ce genre de soutien-gorge. Ça laisse vraiment respirer la poitrine. Exactement le même modèle, d'une couleur différente. Et j'aime beaucoup cette couleur aussi, ça change. J'ai pas beaucoup de bleu-vert clair comme ça. Ouais, c'est des petits bleu-vert sauge, je dirais. Très joli, mais vraiment super agréable. Trop canon, ce petit soutien-gorge. Ensuite, on passe à autre chose. Alors ça, je sais ce que c'est parce que j'étais très curieuse de savoir comment ça allait tomber sur moi. Du coup, je l'ai ouvert et je l'ai essayé. Donc, c'est un genre de... Alors, j'allais vous dire débardeur, mais c'est pas vraiment un débardeur parce que moi, je vais le mettre en dessous. Voilà, c'est comme si c'était un mot de tankini. Alors, cet article, j'ai envie de vous dire qu'on peut le mettre en tant que lingerie, mais également en tant que bustier, peut-être sous un blazer, quelque chose comme... Alors moi, évidemment, je n'oserais pas, je sais que je le porterai en sous-vêtements. Et ça peut très bien se porter en tant que bustier, je trouve que c'est très joli. Au niveau des coques, on voit que c'est ligné, vous voyez, c'est un petit peu côtelé. C'est assez sympa, on a une jolie résille au milieu de la poitrine, vraiment c'est trop beau. C'est un petit peu sexy quand même, c'est mignon, mais en même temps, vous allez... Une fois porté, on ne voit pas tout non plus, hein. Vraiment c'est super sympa. On a toujours des bretelles larges avec un système de réglage. La petite étiquette Lovelette, je l'ai pris en quelle taille cette chose-là? En 3XL, oui, il n'y avait pas 4XL, donc j'ai voulu tenter. Alors, je l'ai pris quand même parce qu'il me plaisait trop. J'avais envie de tenter. Vous allez voir que ça me sert un petit peu, mais je peux le porter. Alors, vous voyez ce que ça donne avec une jupe? C'est plutôt pas mal à l'intérieur d'une jupe, hein? Vraiment très joli. Très sympa. On est bien maintenu de partout. Les bretelles sont hyper larges. La résille est ultra sexy. C'est trop mignon. Mais c'est pas trop non plus, vous voyez. N'oubliez pas qu'il me faudrait quand même une taille en plus, hein. C'est pas ma taille que j'ai pris là, j'ai pris la taille en dessous parce qu'elle n'existe pas ma taille. Voilà, mais sinon,
comme quoi il me va. Prenez vos mesures. Sachez que chez Lovelette, il faut aussi prendre ses mesures. Parce que vous voyez, on a de belles surprises. Là, c'était pas censé être ma taille. Et en fait, ça me va. Et avec une jupe par-dessus, c'est sublime. Sinon, ça arrive ici. Ensuite, on passe à un autre sachet un petit peu plus sombre. Donc, c'est un soutien-gorge. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait le même. Non, c'est pas le même. Attendez, on va regarder. Alors, non, ce n'est pas le même que les autres. Je vais vous montrer la différence. Ici, nous avons un arrondi. Vous voyez, un col un petit peu arrondi. Et là, nous avons un décolleté V plus profond. Ça, c'est super justement pour les pulls que j'ai qui ont un décolleté profond en V. Pour qu'on ne voie rien lorsqu'il est là, à ce moment-là, c'est quand il fera moins froid. L'autre, le débardeur, ce sera pour quand il jouera un petit peu frais, pour avoir une petite dentelle qui dépasse. Et celui-ci, pour quand il ne fera pas trop frais, pour ne pas avoir justement quoi que ce soit qui dépasse dans les pulls qui sont très V, très profonds. D'ailleurs, j'ai des gilets pulls qui ont des décolletés très profonds. Et à chaque fois, je ne sais pas quoi mettre comme soutien-gorge avec. Eh bien, regardez, ce genre-là, parfait. Un décolleté vraiment V, très profond. Toujours avec des bretelles larges, réglables. Toujours avec la bande en dessous des bonnets. Toujours avec 1, 2, 3, 4, 5 réglages. Voilà. Donc en fait, il reste toujours dans la même matière. Mais vous avez souvent une particularité différente. Soit vous avez une résille ici. Soit vous avez une résille en dessous, comme j'ai sur ceux que j'ai chez moi. Soit vous avez le décolleté qui change. Mais sinon, ça reste toujours à peu près dans le même esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez le soutien qui est vraiment apporté à ces soutiens-gorge. Je pense que c'est vraiment leur point fort. Le soutien, le fait que les bonnets soient bien englobants. Vous n'avez pas les seins qui se barrent d'un côté ou de l'autre. Vous avez les côtés ici qui sont vraiment bien maintenus. D'ailleurs, j'en porte un là. Et vous voyez, ça dépasse pas là, comme ça pourrait faire avec un soutien-gorge. Puisqu'on a une épaisseur, bah là, je peux vous le montrer, je le sens. Hein. L'épaisseur, elle est comme ça. Voilà, j'ai ça d'épaisseur, vous voyez, sur le côté, ben, comme ça en fait. Voilà, j'ai cette largeur-là qui maintient ben, le gras du dos, là. Et moi, j'aime pas que ça dépasse, que ça saute par-dessus les soutiens-gorge. Avec ce genre de choses, ça ne le fait plus. Pareil ici, ça peut le faire quand les bonnets sont trop petits, vous voyez, que ça fasse une petite boule, là. Ça ne le fait pas non plus avec ce genre de soutien-gorge. Depuis que je mets du Lovelette, je n'ai jamais été aussi bien dans mes sous-vêtements. Je vous jure, mais vraiment. Pour celui-ci, j'ai dû prendre du 3XL car le 4 n'existe pas dans cette coupe-là. Mais écoutez, il va bien quand même, il va très bien. Le bonnet n'arrive pas jusqu'au bout. Voilà, mais je pense que c'est le modèle qui est comme ça. C'est, vous voyez, il part en pointe de partout. Celui-ci, ce n'est pas vraiment le même modèle. Si vous remarquez, les bretelles montent en pointe, vous voyez. Alors que pour les autres, on a le même diamètre de haut en bas au niveau des bretelles. Et ici, c'est colvé. Moi, je le trouve vraiment très joli. Alors, on a toujours ce maintien en bas. N'hésitez pas à me dire quel est votre article préféré. Si vous avez aimé un petit peu le genre de bustier, je le trouve vraiment super sexy. Il est trop mignon. Pour mettre en dessous d'une robe, ou ouais, vraiment, ça peut être super sympa, ou même en dessous d'une chemise, ou comme je vous l'ai dit, d'un pull qui est très décolleté, ça peut le faire, ça peut être super sympa. Je vais regarder s'il y a d'autres couleurs et d'autres modèles. Et au niveau des soutiens-gorge, le violet, mais qu'est-ce qu'il est joli, enfin, ils sont tous beaux, hein. Mais au niveau des couleurs, vraiment, quand vous voulez quelque chose de très coloré, le violet, là, et le bleu, ils sont magnifiques. Après, les autres aussi, mais ça reste du nude. Voilà, on est habitué au nude. Ça veut dire que vraiment, maintenant, je suis convaincue, vous l'avez compris. Vraiment, j'adore Lovelette. Merci d'ailleurs à Lovelette de me faire confiance pour cette deuxième vidéo. Voici, le haul est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !